Allez, en place. On fait à la ligne ou à l'entrée? Là, toi, au dernier, quand vous avez fini ça. Oui, ah oui, ok. Toi, t'es où? T'es là, quoi? Quand t'as fait le running? Oui. Je suis là-bas, à la fin. Ah oui. Voilà, pour les frises, pour les frises. Okay. Du coup, on a fait les frises. Je suis là. Deuxième. Milieu. Dernière. Quand j'ai découvert que ma mère m'avait inscrit, j'étais content qu'il y avait le hip-hop et de découvrir des nouvelles choses. C'est très bien parce que y a des autres qui apprennent et moi j'apprends aussi des nouvelles figures ou je répète des nouvelles figures et voilà. T'as pas des petits conseils pour moi pour progresser dans le hip-hop? Ce que tu fais déjà, il faut le perfectionner, il faut continuer. Tu pratiques déjà, ça se voit que tu pratiques parce que les figures que j'ai montrées, tu maîtrises déjà quand même pas mal. J'ai découvert le dessin, enfin la bande dessinée plutôt, avec Nico. Voilà, c'est mieux. Vous savez que je suis aussi dessinateur de portraits. Donc un portrait, c'est de dessiner les gens et tout. Il y a des astuces. J'ai découvert les Mao. Avec Marvin. J'ai aussi découvert la danse culturelle avec Sylvain et le graphe avec Zayel. J'ai préféré le hip-hop parce que c'est ma passion. Ça me semble important d'amener la culture urbaine en brousse pour faire découvrir aux jeunes qui sont ici, aux gens de l'endroit aussi, aux gens de la province Nord, qui sûrement sont connectés à ce milieu-là, à ce monde-là. Mais ce qui est intéressant, ce sont les valeurs qui sont véhiculées autour, en fait, au travers du dessin, au travers de la danse, au travers de la musique assistée par ordinateur. C'est tout un tas de valeurs, les valeurs communautaires, les valeurs de la tradition du pays. Et aussi les valeurs de la tradition de la région dans laquelle on est, le Pacifique, on est tourné autour de ça, autour du lien, autour de la transmission. 1, 2, 3, 4 Maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6